Prêt? C'est les premières images? On vous fait un petit coucou et on vous retrouve tout à l'heure. D'accord? C'est prêt? C'est parti, on a 80 km à faire aujourd'hui. Bon voilà, ils s'amusent à doubler là. Hein? Et en plus après ils font les malins. Donc 7 km 16 maintenant. On est parti depuis 39 minutes et 34 secondes. Et j'essaye de rattraper ma femme avec mon fils qui se fait un plaisir d'accélérer quand j'arrive. Voilà. Qui sait qui va les doubler, hein? Qui sait? Bon allez, hein. Je suis désolé, hein, mais le Bernardino du cyclisme vous double. Voilà. Dans les mouillés. On a fait 22 km. Il est 10h du matin. Et on continue notre périple hein, en direction eh ben, de Port-Saint-Louis et l'estuaire du Rhône et, que l'on devrait rejoindre d'ici environ 8 jours. Ok, on est en face d'un canyon qui s'appelle le Ruzan qui fait 180 mètres plein gaz pour la première longueur. Et ça, c'était une sacrée montée. Et là, on la descend. Donc finalement, ouais, le ratio, je sais pas. On est à la Saône, un petit village. C'est quoi? C'est le long de l'Isère, non? Le long de l'Isère, à côté des fontaines pétrifiantes. On s'est pris deux gouttes de flotte. La route a l'air d'être un peu humide, mais je pense que c'est nos prédécesseurs qui se sont pris le truc. Bah, s'il y a moyen de s'arrêter sur le banc, ouais. Et bah allons-y alors. Allez, on va faire la pause midi. Ah, il est en train de traverser les airs. On est à Imeux là. On a fait 56,93 km. Là, on a rejoint la Via Rhôna. Nous avons fait 20,92 km. Et aujourd'hui, il nous en reste 26. Et on a Loulou qui pédale un peu. Voilà, c'est les premiers kilomètres. Allez, prendre plus à l'extérieur. J'ai réussi à négocier mieux que toi, m'amour. Allez, faut rattraper le train à Louan. Hop là, c'est pas grave, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, on longe le canal du Rhône. C'est un canal qui a été créé en parallèle. Alors maintenant, vous en dire la raison, j'en ai aucune idée. Il doit y avoir une histoire de barrage hydroélectrique sûrement. On arrive à la voulte hein, sur Rhône. Le Rhône pour la je sais pas combien de jours aujourd'hui.
Donc vous avez remarqué, il pleut. Et donc on a 46 bornes à faire sous la flotte. Ah, c'est vraiment l'enfer à tremper. Hein? Hein? Je sais pas si vous la voyez, je vais essayer de vous la prendre en photo. Mais... voilà, il y a une très très grosse écluse. C'est impressionnant et je crois qu'il y a un gros bateau là. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Temps normal. Ça passe, par temps pas normal. On est parti pour s'arrêter tout de suite là. Avignon. Environ une soixantaine de kilomètres. On se retrouve tout à l'heure, on passera par donc la cité des papes. Bon là c'est des petits ajustements après la journée de la flotte. Et on démarre tranquille. On se retrouve tout à l'heure les enfants. Ciao ciao. On vient d'arriver à Pont-Saint-Esprit presque. Et là, eh bien. On circule dans les vignes. Bon, on est toujours sur la Vierona, toujours le cinquième jour, on a fait 9 km 31 et pour l'instant, ben, on n'a toujours pas vu le Rhône. Première traversée du Rhône de la journée. Non, je parlais à la caméra, je disais première traversée du Rhône de la journée. Il nous reste quelque chose comme 49 km avant d'arriver à Avignon. Ma cadrousse. Et là, nous prenons... un itinéraire qui n'est pas encore totalement terminé, mais qui sera le nouvel itinéraire de la Vierona. On fait un petit coup de poker. On longe le Rhône en rive gauche jusqu'à Avignon. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous entendez les cigales, hein, mais là, elles font presque autant de bruit que les voitures. Et voilà, on prend le nouveau tracé de la Vierona. Il nous reste 29 km. Ça, c'est un tout nouveau tracé. Il n'est même pas encore sur les topos. Nickel chrome. Bon, bah voilà, chérie, on s'est... bon, bah voilà, on inaugure la nouvelle portion de la Vierona. Bon, on galère un peu dans la traversée d'Avignon. Grâce à deux jeunes ultra sympathiques, on a pu trouver le chemin qui est censé nous ramener vers les remparts. Ah oui, les angles, allez, on passe par là. Alors on voit qu'on est dans le sud parce que c'est la première piste qu'on fait. Beaucaire est à environ une trentaine de kilomètres d'ici. Et donc on longe la Garrigue. Le Rhône ne doit pas être très loin, c'est sur la gauche. Traverse le Gardon là. Choucou. Choucou.
n'entend rien du tout derrière. On est en train de retrouver l'itinéraire pour aller à Arles. Alors c'est un petit clin d'œil. On est en direction de Fourques. Bon voilà, les aléas du voyage. On s'est équipé pour la pluie parce qu'on commençait à se prendre un chouïa d'averse. Le temps qu'on s'habille, l'averse elle a disparu. En direct du jour numéro 7, direction Arles. J'utilise un peu moins la GoPro aujourd'hui parce que je vais garder, il me reste 9 minutes de film sur 8 jours de pédalage. Donc aujourd'hui, c'est du Samsung. Ça va, Choubilou ? Bon voilà, on a récupéré la Virona, il nous reste pas loin de 50 bornes pour arriver à la plage. On se retrouve tout à l'heure. On est quand même à la 8ème étape du vélo, quoi. On se retrouve tout à l'heure. C'est étroit, chérie, ne t'arrête pas. Oui, mais Allah. Donc on est dans le parc naturel régional de Canard, comme vous pouvez le constater. Eh bien, il y a de plus en plus de marécages. Action! Et voilà, c'est nos derniers mètres. Ah, je sais pas si vous voyez la mer, mais nous on la voit. Bon voilà. Allez, on va toucher la mer avec les pieds. Si, si, Loulou, allez, viens. On n'a pas fait tout ça pour pas y aller. Ouais, mais sinon, on va juste regarder. Voilà, vous venez ? Ah ! Allez, viens, Loulou ! Allez, viens ! Viens, viens, viens ! Plus que rien ! Moi, j'ai pas envie de mouiller mes chaussures non plus, hein, t'inquiète pas. Allez, elle monte pas ici, la mer. Viens voir. Allez, Loulou, viens voir, mettez-vous en face, là. Bon alors attends, maintenant on fait la... Voilà. On est reparti sur la voie cyclable de la Virona de Port-Saint-Louis après un super petit déjeuner grâce à un monsieur extraordinaire qui avait offert une sucette à Elouan et un café vraiment génial. Donc la journée commence très bien. On quitte Arles par une piste cyclable interdite à la circulation faute de marquage. Eh, c'est pareil, c'est comme avant d'arriver, c'est où Angers, on est arrivé ? Hein ? Après Cadrousse, c'est avant d'arriver à Avignon, c'est ça ? Hein ? Ouais, et c'était l'étape avant d'arriver à Avignon. Voilà, c'est ça que je te demande. Donc, et ben voilà, ça nous permet
merdier entre Tarascon et Arles où c'était vraiment pas génial et où on s'était un peu paumé. Et puis c'était pas vraiment joli, là on est vraiment plus tranquille. On se retrouve tout à l'heure. Alors on a décidé de suivre le Rhône, de barrer la piste. Bon, ça bouge un peu. On est de la piste pour un petit bout de temps pour essayer de voir si on peut longer le Rhône de façon plus sympa. On hésitait sur la piste du haut et la piste du bas, et il y a un cycliste qui nous a dit qu'il fallait plutôt partir sur la piste du bas. Si on se débrouille bien, au lieu de faire 70 bornes, on va en faire 46. On se retrouve tout à l'heure. Là, il y a l'amour qui râle parce qu'on a repris la piste. En fait, j'avais pas du tout envie de traverser mon démarre. On se retrouve tout à l'heure, c'est bon, je vous aime. Voilà, levé de soleil sur le Rhône pour une belle journée qui s'annonce. Avec la centrale nucléaire de Crua, je crois. Hein. Bon, alors on pourra pas vous la filmer tout à l'heure, mais quand on passe à côté, eh bien on va être à l'intérieur, enfin sur les côtés, c'est une véritable cascade. C'était impressionnant à voir il y a 8 jours. Et là, eh bien c'est au lever de soleil qu'on vous fait ces quelques images. On vous souhaite à tous une excellente journée. Avant-dernière étape, nous partons de Beauchastel. Et nous rejoignons Romans au gîte La Passerelle chez Guillaume qui nous attend pour passer une nuit en gîte. Et ensuite on rentrera sur Grenoble, ça sera une des plus grosses étapes, pas loin de 75 km. Bonjour, c'est le 16e jour, on est lundi 16 août et on rentre à la maison. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà fait 516 mètres, donc il nous en reste 74 et 400 et quelques. Bon, chérie, on a un problème, je crois. Ouais. Là, il y a des rigolos qui nous ont foutu ça en plein milieu de la piste cyclable. Donc, on va tout fermer et puis voilà, ouais. Ouais. Et puis, alors là, c'est bien la bonne douche. Hein. Ok, bon. Alors, on arrive à la maison après pas loin d'un aller-retour et 100-800 cm. Voilà, on est arrivé. Bonne fin de journée à tous.